Grosse prime à la victoire dans ce match entre Lyon 9e et Marseille 8e, deux équipes à égalité de points. Lyon joue sans Fofana et Fekir, toujours blessé. Marseille est privé de Mendy, Barada, Ocampos et Lassana Diarra, blessé de dernière minute. La première opportunité est marseillaise, avec cette reprise de la tête, c'est sauvé sur la ligne. Une belle possibilité pour les Marseillais. La tête de Rolando et Sergi Darder sur la ligne. Des Marseillais qui s'enhardissent dès les premières minutes. Avec Michy Batshuayi dans la surface de réparation, le tir sur le poteau, Anthony Lopez était battu. Très bon début de match des joueurs de Mitchell. Une équipe de Marseille qui sort d'une victoire 2-0 contre Montpellier en Coupe de France et une qualification pour les huitièmes de finale à jouer à Trélissac, équipe de CFA. La réponse lyonnaise avec Rachid Ghezal. Belle parade de Steph Mandanda. Lyon de son côté s'est également qualifié pour la suite de la Coupe de France en gagnant 2-0 à Chambly. Équipe de nationale, Lyon ira jouer contre le PSG au Parc des Princes au prochain tour. 0-0 à la mi-temps dans ce choc. Lyon n'y arrive pas, une victoire sur les 8 derniers matchs seulement pour un nul et 6 défaites côté lyonnais. Ce n'est pas suffisant, mais la victoire est difficile à acquérir face à un Steve Mandanda de ce niveau. Mathieu Valbuena frappe et parade fantastique de Steve Mandanda. Marseille reste tout à fait dans le match grâce notamment à son gardien. Des Marseillais qui trouvent également quelques solutions avec cette accélération. Batshuayi au point de pénalty, la remise en retrait vers Rémi Cabella pour l'ouverture du score à la 64e minute. Marseille mène à 1-0, troisième but de la saison pour Cabella. Et c'est pour l'instant un formidable résultat pour Marseille. Marseille qui reste sur 8 matchs sans défaite, mais qui peine à gagner ses rencontres. Pourquoi pas ici, même s'il faut résister à un retour lyonnais. Lyon qui obtient ce coup franc. Il est bien frappé et la défense marseillaise mal placée oublie Corentin Tolisso qui vient d'entrer sur le terrain. 78e minute, l'égalisation lyonnaise. Deuxième but de la saison pour Tolisso. Bruno Genesio et ses joueurs peuvent être contents, ils sont revenus dans le match. Il leur reste encore un petit peu de temps pour essayer de s'imposer. Mais c'est Marseille qui repart de l'avant dans une fin de match à occasion. Le centre de Djadjadje, la parade de Lopez. Deuxième possibilité avec ce retourné, ballon capté par Lopez. Les deux formations essayent de s'imposer pour prendre les 3 points. Lyon a la dernière occasion avec cette reprise spectaculaire de Lacazette. Encore une parade de Mandanda. L'une des 8 interventions décisives dans ce match pour le gardien international. Une tête de Tolisso en fin de partie n'y changera rien. Au final, un but partout entre Lyon et Marseille. Les deux formations restent donc 8e et 9e. Elles étaient aux 2 premières places au même moment la saison dernière.